السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، أقدم لكم هذه الحصة. الهدف منها هو التخلص من الصعوبات حول القراءة باللغة الفرنسية للتلاميذ السلك الابتدائي. سنقدم لهم هذا النص من اقتراح دريس الدمري للعنوان ديالو لاغونتخي الدخول المدرسي. كيف ما تلاحظوا في الصورة، هناك دخول مدرسي لكافة التلاميذ. الهدف من هذه الحصة كذلك أنكم تميزوا ما بين 200 pardon le premier sens c'est ou comme l'exemple de hibou et le deuxième sens c'est o comme pont. Voici donc le texte, il faut écouter d'abord, après vous faites la lecture. Et voici donc la rentrée scolaire, vous voyez donc des élèves qui accueillent leurs enseignants avec des fleurs. Ce qui est plus important ici, c'est qu'ils apportent des bouquets de fleurs avec beau sourire. Alors tout le monde est heureux, tout le monde est prêt pour travailler cette année. Et vous aussi. Alors écoutez bien maintenant la rentrée. Et le texte, la rentrée. Les vacances sont finies, c'est la rentrée des classes. C'est un jour de fête pour les élèves. Dans la rue, les écoliers s'interpellent et se disent bonjour. Ils sont propres et soignés. Les vacances sont finies, c'est la rentrée des classes. C'est un jour de fête pour les élèves. Dans la rue, les écoliers s'interpellent et se disent bonjour. Ils sont propres et soignés. Tout se hâte vers l'école, le portail est franchi, les moins timides vont dire bonjour à leur maître et quelques fillettes ont apporté des fleurs à leur maîtresse. Tout se hâte vers l'école, le portail est franchi, les moins timides vont dire bonjour à leur maître et quelques fillettes ont apporté des fleurs à leur maître. La cloche sonne, les élèves se mettent en rang. Monsieur Hafid, le directeur, les salue et tous et leur souhaite une bonne année scolaire. Tous les élèves répondent à la fois « Merci monsieur le directeur ». La cloche sonne, les élèves se mettent en rang. Monsieur Hafid, le directeur, les salue tous et leur souhaite une bonne année scolaire. Tous les élèves répondent à la fois « Merci, monsieur le directeur ». Alors, c'est quoi « il s'interpelle » Voici donc, ici, qu'il s'interpelle, c'est le verbe « s'interpeller », ça veut dire « s'adresse la parole pour se poser des questions ». « Il s'interpelle », ça veut dire « les élèves s'adressent la parole ». Pour se poser des questions comme comment vas-tu, est-ce que vous allez bien, par exemple comment tu as passé des vacances ou comment vous avez passé des vacances. Alors il s'interpelle la parole pour se poser des questions. Il souhaite, ça veut dire les élèves souhaitent, c'est le verbe souhaiter, ça veut dire se presser et ils vont vite pour rentrer à l'école, pour rentrer en classe. Tout à fait. Oui. La rentrée, les vacances sont finies, c'est la rentrée des classes, c'est un jour de fête pour les élèves dans la rue, les écoliers s'interpellent, c'est-à-dire s'adressent la parole pour se poser des questions, ils se disent bonjour, ils sont propres et soignés. Tout se hâte, ça veut dire se dépêche, se presse, vont vite. Vers l'école, le portail franchi, les moins timides vont dire bonjour à leur maître. Quelques fillettes ont apporté des fleurs à leur maître. Leur maîtresse, pardon. La cloche sonne, les élèves se mettent en rond. Monsieur Hafid, le directeur, les salue tous et leur souhaite une bonne année scolaire. Tous les élèves répondent à la fois « Merci, monsieur le directeur ». C'est un texte d'après Driss Demain. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez me suivre en lisant ce texte à haute voix. À haute voix. La rentrée.
Les vacances sont finies. C'est la rentrée des classes. C'est un jour de fête pour les enfants, pour les élèves. C'est un jour de fête pour les élèves. Dans la rue, les écoliers. Les écoliers s'interpellent et se disent bonjour. Ils sont propres et soignés. Tu sautes vers l'école. Tu sautes vers l'école. Sautes vers l'école. Le portail franchi. Les moins timides vont dire bonjour à leur maître. Les moins timides vont dire bonjour à leur maître. Et quelques fillettes ont apporté des fleurs à leur maîtresse. La cloche sonne, les élèves se mettent en rond. Monsieur Hafid, le directeur, les salue tous et leur souhaite une bonne année scolaire. La cloche sonne, les élèves se mettent en rond. Monsieur Hafid, le directeur, les salue tous et leur souhaite une bonne année scolaire. Tous les élèves répondent à la fois, merci monsieur le directeur. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez tout simplement vous concentrer ici, voilà. À vous de lire. Mettez une pause sur la vidéo. Essayez de lire convenablement. Hein? Voilà. Voilà, c'est bien maintenant. Alors, voici donc le premier paragraphe. Mettez une pause. Voilà. Mettez une pause pour le deuxième paragraphe et lisez. Voilà. Mettez encore une fois une pause ici. Troisième épisode. Troisième paragraphe. Oui. Lisez. N'oubliez pas bien sûr de comprendre ces mots. Ils s'interpellent, ils se hâtent. Bien sûr, ce texte après Driss Demelon. Alors, c'est fini pour aujourd'hui et j'espère que vous avez bien lu ce texte, la rentrée. À très bientôt!